Allô, moi je suis Salé. Bienvenue à mon chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo du challenge avec Dan. Ben, je m'appelle Dan, je viens de Victoriaville et on va faire un défi sur la prononciation. Oui. De mots québécois et de mots espagnols. S'il ne réussit pas, il va prendre du piment. Toi, Alé, si tu échoues dans la prononciation québécoise, tu devras faire des burpees qui consistent à faire un saut dans les airs et un push-up. 10. 10? 10, c'est beaucoup. Je dis ça parce que lui, il fait beaucoup d'exercices. Ah ben, 5. Yes! 5, ok. Donc, on commence. D'accord. La première mot, c'est à ton tour. Je suis prête. C'est moi qui commence? Ouais. Ok. Donc. Prononce-moi le mot amertume. Non, c'est trop difficile. Comment? Amertume. Amertume. Monsieur le juge? C'est bon. C'est bon? La première mot pour toi, ça serait Alejandra. 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 Je peux choisir, je peux oui, choisir. Oui, tu peux choisir. Phew. Ok, ça s'appelle chile de arbol. Au Mexique, ça pique beaucoup. Ici, je ne sais pas parce que je les achetais dans un magasin que je ne sais pas s'ils viennent du Mexique. Okay. Parce que parfois, ils viennent de la Chine. Donc là, je mange quelque chose que tu ne sais pas d'où ça vient. Non. Ok. Donc, tout d'un coup? Oui. Non, tout d'un coup? Non, non! Hey! C'est méchant, ça? Non, une petite bouchée? Ouais, oui. Okay. Ben, la moitié, au moins. C'est... Ok, bon. Ça pique! Ça pique. Ça va sûrement m'aider à mieux prononcer l'espagnol. Ça va te servir à de quoi? Okay. C'est rien? Qu'est-ce que tu vas faire à comparer de moi? Puis je peux. Deuxième. Ben, j'allais être capable de le prononcer. Moi-même. Ok. Fourchette. Fourchette. Monsieur le juge? Quoi tu penses? Oui. Ok. Mon deuxième mot. T'étais gentil quand même, hein? Ben, non, elle a bien prononcé. Ferrocarril. Je dois préciser que je dois prononcer ce mot-là après avoir mangé un piment. Pourrais-tu le répéter, s'il te plaît? Ferrocarril. 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 Ok. Donc? Troisième mot. C'est correct? Oui. C'est correct. Parchemin. Encore une fois? Parchemin. Parchemin. Non. Une autre opportunité? Il y en a deux. Parchemin. Non. Non, pas non. Parchemin. Parchemin. Pasteurisado. 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 Je me sens plus la bouche, hein. C'est bon. C'est mauvais. Ça vient d'embarquer.
Et ouf, ok. Irrésistiblement. I know. Irrésistiblement. 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 Et là. Palangari kutiri mikwaro. Fait que c'est compliqué l'espagnol. Tu répétais? Palangari kutiri mikwaro. Palangari kutiri mikwaro. Palangari mikwaro. Ok. Lentement. Il y a combien de syllabes dans ce mot-là? Parangari kutiri mikwaro. Il y a 10 syllabes. Tu vas compter les syllabes. C'est impossible. Bon. Tellement mal aux lèvres. T'es prête? Ouais. Meringue. Meringue. Comment? Meringue. 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 Signifie le mot pitoune. Okay. A, un outil. Mm-hmm. B, une belle fille. Ou C, une bonne chanson. Aïe, 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 aïe. Je pense pas que c'est pas une chanson. B, non. B. Ok, c'est bon. Donc, une pitoune est une belle fille. Qu'est-ce que c'est? Sudadera. A, un tuc. B, une chaise. C, un sweater. Une chaise. Mi. Et c'est? C'est un sweater. D'accord. Ok, tu peux prendre. Il m'en reste un. Tu vas les mettre très fort, tes tabasses. Donc, la quantité m'indique que c'est très fort, encore une fois. Non. 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 Il y a 4 choix de réponse. 4? Ouais. Quoi 4? Parce que, qu'est-ce qu'une bébelle? A, un jouet. B, un objet qui sert à rien. C, une décoration. Ou D, toutes ces réponses. La numéro 4? Ah. Oui. C'est correct. Je pensais qu'il allait pas l'avoir! On s'est trompé. Quoi? Peu importe qu'est-ce qu'elle avait répondu. C'est que si elle avait choisi A, si elle avait choisi B, C, c'était une bonne réponse. On est bête. On est très bête. Très très bête. Ok. C'est à mon tour. Qu'est-ce que c'est ferrocarril? A, c'est une voiture. B, c'est un plat mexicain. Ou C, c'est un train. Train. C'est un train. Oui, si. C'est un train. Ouais, tu l'as eu. Qu'est-ce qu'un harfang des neiges? Quoi? Est-ce que c'est A, une pelle à neige? B, un plat québécois, ou C, une sorte de hibou? Un hibou? Quoi tout c'est ça? Je sais pas. Mais je pensais hibou, blanche, neige. Aceite. A, un livre. B, de l'huile. C, araignée. Araignée. Ok, on commence! C'est quoi? C'est l'huile.
L'huile. De l'huile. C'est sûr? Ben oui. Je veux pas faire plus mal que ça fait mal là. Tu vois un oignon? Un oignon? Je sais pas. C'est quoi? Beaucoup non, juste. Non. C'est hein? Pas ça avec les... Quoi? Hein? Le pépin. Claque les pas. Faut pas que je les croque? Non. Ah, mais j'envale tout rond? Ouais, sinon ça pique plus. Ouais, mais trop tard. Comment tu les manges si... Tu les croques pas. Mais comment tu peux pas les croquer? Si tu croques le... Tu les abales. Les pépins. Tu les abales. Je sens plus rien, c'est que je sais pas si c'est un pépin ou le revêtement du pépin. Le problème, c'est la sortie, mon ami. Ça, il faut que tu le laisses. Ok. Qu'est-ce qu'un trou du diable? Qu'est-ce que le trou du diable? Le trou du diable? Le trou du diable. Est-ce l'anus de Lucifer? B, une bière québécoise, ou c'est un endroit touristique. C'est pas drôle, parce que c'est une bière. Ouais. Ça c'était drôle. Columpio. A, balançoire. B, roche, c'est tonneau, comment ça dit? Tonneau. Ah. C'est quoi ça? C'est quoi A? Toi, ah. Divine. Le premier. Non, balançoire? Oui! Ok! Donc, on a fini. Qu'est-ce qu'un piton? Non, j'ai déjà dit ça. Non. Pitoun? Là, c'est un piton. Qu'est-ce qu'un piton? A, un bouton. B, une note de musique. Ou c'est une sorte de cheval? Bouton? C'est trop facile pour... Ça fait 4 ans que tu restes au Québec, puis moi... Je suis un Québécois, puis je connais pas l'espagnol. Mais moi non plus, je connaissais pas cette mot. Là... Ok, donc tu me dis que t'es chanceuse. Oui! Vraiment. Donc, lampara. A, couverture. B, un lisard. C, lumière. Couverture. D'accord. C'est lumière. Donc, c'est à ton choix. Donc, on a fini. C'est qui la gagnante? On est chante, hein? Arriva! Bye!